Bon, pour faire une idée du matériel, du coup, voilà qu'est-ce que j'emmène en prestat captation. Donc là, tout ce qui est flycast, caméra, drone, les accessoires, les trépieds, les batteries, les chargeurs, le petit sac. Comme ça, si jamais je peux pas prendre les grosses caisses, bah, je peux me prendre des objectifs et une caméra et me balader avec ce sac. Le sac perso avec les vêtements, les produits et tout. Et puis le sac perso aussi, pareil, de balade où il y a l'ordi portable, les chargeurs externes, etc. Un gilet et tout le bordel. Donc voilà, donc je charge tout ça dans la voiture, c'est parti. Et voilà, la voiture est chargée, ça ressemble à ça. J'ai tout logé dans le coffre sauf un sac. La voiture est super crade, mais je n'ose pas la nettoyer parce qu'on est en restriction d'eau. Donc voilà. Eh bien, salut tout le monde, c'est Max17. Aujourd'hui, on se trouve pour un vlog. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur la chaîne, mais il faut savoir qu'en ce moment, je travaille sur la post-production du film qu'on a produit il n'y a pas longtemps, donc Perspective Mortelle et tout. Et puis en plus, je suis en train de déménager, chercher un taf. C'est un peu chaud pour moi en ce moment. Donc, j'ai vraiment pas le temps pour les petits projets secondaires, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, là, il y a eu une opportunité. Donc c'est génial. Il faut savoir qu'il y a un an, j'ai réalisé ce clip. J'ai souvent pensé comme un perdant. Je m'en vais faire la guerre à ces grosses connes. On est sur la route, gros, on cartonne. On va fumer l'avenir comme une grosse clope. Sauve le monde comme Avenger. Seul au milieu de la foule, j'étouffe et je ne vois que toi. Mon cœur a pris la foudre. Viens, on va faire un tour. Ne me demande pas pourquoi. J'ai trop saigné. Pour éviter. Voilà, pour un ami d'Uro, donc que j'ai rencontré grâce à Pierre dans une formation à l'INA en 2018, ça commence à dater. Et voilà, donc j'ai fait la vidéo, le temps passe, et en fait le festival a réutilisé la vidéo et ils l'ont adoré. Du coup, bah, cette année, ils m'ont proposé de venir, voilà, à leurs frais. Donc c'est génial, ça fait un petit week-end. Bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, voilà. Mais bon, c'est le métier, moi j'adore, donc c'est génial. Donc là, on va partir à Daon, au petit danger. Là, comme vous venez de voir, je viens de préparer le matériel et là, je vais chercher mon assistant qui est Mario. Ta collègue? Non, dans ma chambre, dommage. Tu feras une voix off au pire. Alors, le festival des bouts de ficelle. C'est un festival dans le site de la Mayenne à Daon. Il se déroule sur un week-end chaque année. C'est un festival réputé dans le coin pour offrir un tremplin aux nouveaux artistes et musiciens. On leur met une scène pro à disposition afin qu'ils puissent jouer et se faire connaître via le bouche à oreille. Si vous voulez plus d'informations, le lien du festival est dans la description. En parlant de tremplin, Duro, le groupe dont je vous ai montré l'extrait au début, bah il s'est produit l'année d'avant, et c'est là que je suis venu filmer leur passage, et donc comme ça que j'ai pu découvrir ce festival. Je commence à voir cette terre, grâce à toi je vois plus clair, dans mes pensées et mes coups de nerf, je gratte seul, par la night, je repense à ce qui va mal. Je gratte seul dans la night. Ce sera déjà trop tard. J'aimerais rallumer la lumière. J'essaye d'éteindre l'incendie qu'il y a dans ma tête. Ah là là, quand même. Toutes ces super rencontres et découvertes dues à une petite formation de quelques jours. Bref, je m'éloigne du thème de la vidéo là. Même si en réalité, c'est juste que je complexe de ne pas avoir pu monter mon vlog de l'INA
et du festival de l'année dernière, car j'ai paumé les rushs et que depuis je suis devenu paranoïaque sur la gestion des médias et que j'ai commencé à faire du Red 5 sur du Red 5 avec des serveurs perfectionnés dans la vidéo et l'archivage. Le festival a bien aimé la vidéo de l'année dernière, sauf que l'année dernière, j'étais là que pour le passage de Duro. Donc la mission de ce week-end, reprendre la recette artistique du clip de Duro de l'année dernière, l'appliquer sur tous les groupes de cette année, ainsi rajouter un côté festif et convivial pour représenter le festival. Avantage de cette année, j'ai un drone et les autorisations qui vont avec, ainsi que carte blanche pour filmer ce que je veux et rendre ce que je veux. Des avantages. Il me manque un cadreur et je dois pas filmer 40 minutes de passage mais 14 heures de passage cette année. Au niveau du matériel, j'ai un Ronin AC. Il manque une vis. J'ai pas de Ronin AC. Un GH5S avec un Voltlander 25mm et 10mm ouvrant à 0,95 pour faire entrer beaucoup de lumière. Un GH4 avec un 1260, assez standard, basique. Mon petit DJI Mini 2. Deux Zoom H1N. Des cartes SD, du disque SSD, du disque de stockage et mon petit PC portable. Une fois une carte de 128Go remplie, on vidait les rushs dans un disque SSD via le PC portable, qui était en loge. Cela permettait au groupe de copier les rushs après leur passage. Chaque soir, on devait s'occuper du vidage du SSD, dans un disque dur, plus lent, mais plus gros. Habituellement, je fais une backup sur l'un des serveurs de Foxkide. Mais n'ayant pas l'énergie et pas le débit suffisant, j'ai préféré toucher du bois. Bref, donc moi je me baladais à droite à gauche, à la France 3, pour faire des plans d'illustration, et Mario s'occupait de filmer les groupes d'un autre axe, pour avoir deux plans de vue au montage. Même si au final j'ai exploité que 1% de ses plans, parce qu'il est photographe, il m'a fait que des rushs de 6 secondes, insynchronisables ou alors synchronisables à la main. De plus, j'ai pas eu le temps de le former sur le matériel, donc il y a beaucoup de plans sous ex. C'était un peu galère au montage, mais j'ai quand même utilisé beaucoup de ses plans pour les demandes spécifiques des groupes. Et ayant des problèmes de santé, il m'a quand même beaucoup assisté, et on lui doit ce vlog. C'est parti pour les premières heures de tournage. On va faire une petite émission hein, avec Marie. Bonjour, salut Marie. Bonjour à tous, oui, salut Valentin. Comment tu vas? Eh ben très bien, très contente d'être là à ce festival, dans les loges. Et nous, on a la chance de pouvoir être dans les loges avec les artistes juste à côté. Bien, alors ouais, je peux vous dire qu'on est très très bien installés ici dans les loges. Donc vous allez voir, on va recevoir plusieurs invités hein, pendant cette émission. On va recevoir des artistes qui jouent ce soir, on va vous les présenter incessamment sous peu. On va recevoir... La ville est un labyrinthe fait de feintes, l'argent facile attise la plainte. Sous la coupe de Lucifer, par terre, sous une chaleur d'enfer. C'est la première fois que je suis retrouvé en ville. Vous ne verrez jamais ce que j'ai filmé, car la carte SD dans le drone a grillé, elle est totalement corrompue. J'ai donc pas pu récupérer les rushs, mais j'ai quand même pu avoir les photos. Donc j'ai réessayé plus tard dans la soirée, de nuit, mais c'est vrai que voler de nuit c'est pas pratique, puis la qualité était assez médiocre. Bref, pour le drone, je réessayerai demain. Oh,
Tu souris? Ça va? Oh, j'ai un acouphène de taré là, j'entends. Bon, écoute, on vient de rentrer. Mario est claqué, moi aussi. C'est faux. Le chalet est quand même super mignon. Il faudra peut-être des plans de jour. On va poser le matériel. L'avantage, c'est qu'on avait tellement bien pris le truc qu'on n'a rien besoin de charger, on n'a rien besoin de vider, on a tout fait sur place. C'était cool, l'ambiance était cool, mais bon, fatigué. Hein. Et demain, on fait le double. Ouais. On commence à midi. Je vais voir la chambre des toiles. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais on était hébergé dans un petit chalet sur le camping, juste à côté. Je vous le montrerai demain. Allez, bonne nuit. Le vidage du SSD que j'ai oublié la veille. Le petit déjeuner. Il a petit déjeuner déjà. La captation du matin. Pousse pizza. Bon app, Maxence. Tiens, n'ayant pas de poubelle. Qu'est-ce que j'ai fait de mon portable? Je voulais dire qu'est-ce que j'ai fait de mon portable. On a une super douche. Voilà, c'était le petit vlog. T'as filmé les chambres et tout? Mario, 34 ans. Et en vrai, ça fait des plans dingues les iPhone 14. C'est parfait. Oui, c'est bien. Ouais. Pourquoi on se fait chier avec des caméras là? Là, nous, faut qu'on fasse là, les réglages et tout. Là, tu appuies sur le bouton rouge, tu zoomes et tout fait tout seul, t'as vu? Merde, même le focus, il se met tout seul. Ouais. Voilà. Moi, je préfère les pixels, c'est mieux que les pommes. La captation de l'après-midi. S'accroche à mes converses. Partout il me suit, même quand j'ai la tête à la renverse. J'attends que la lumière se rallume, que les libellules bleues de nuit se posent sur l'eau qui lui, au bras de la rivière. Je coule. Des journées où je perds la boule. Et si un jour la terre s'écroule, je veux m'endormir dans le lit de la rivière d'ici.
un peu de drone. Mais j'étais pas fan des plans. Je trouvais ça plat et basique. Par contre, je peux rien voir sur mon petit écran. Reste de 20 minutes, très important pour la santé. Bon allez, t'es prêt pour l'avant-dernier round? Qu'est-ce qu'il peut faire avec cette espèce de base? Moi j'aimerais bien un truc un peu genre à la Dark, genre... Là on parlait de faire un court-métrage d'horreur, sur des lieux qu'on avait négociés pour un autre projet. Spoil alert, pas besoin de faire un film d'horreur. Ça explique pourquoi des gendarmes ont débarqué avec des armes d'assaut sur le tournage. J'en parlerai dans le making of de Perspective Mortelle. Soirée numéro 2. Turbiné, voir le massacre des citoyens qui sous la peur ont oublié le boulot fait par les petites mains. Ramasse la merde avec ta paix. Ramasse toujours et t'es. Deuxième tentative de drone. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé les plans. Tourner à l'avant-poste, même plus envie de sauver le bordel. Moi je flotte dans l'air. Ensuite, petit aller-retour au camping. Bip. Très bientôt. Quoi? Non, c'est tout à l'heure, c'est au coucher du soleil. Ouais, il y a de la vidéo aussi là. Et ce soir-là, on n'a pas trop filmé. Enfin, pas trop filmé, je parle du vlog. Sinon si, c'était le soir le plus chaud. Filé au sol, tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie prend la fâche, je prends ma tête en otage, je prends ma tête en otage. J'ai profité comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel à trouver sa mort. Passe à mourir, aïe aïe aïe. Prends le...
Demain, faut qu'on prenne le temps de vider les iPhones aussi. Les iPhones, parce que t'en as aussi. C'est un iPhone Android, c'est... Bon, alors, le festival, en vrai, on a fait le plus dur. Hein. Le plus dur est derrière nous. Je suis complètement bourré. C'est pas bien de boire, d'ailleurs. Mais pour moi, ça m'a vite mis dans l'ambiance. Voilà. Putain, ça fait même de nuit, c'est... Bon bah les amis, fin de festival. Bon alors, ça t'a fait quoi de tourner ce festival, retour d'expérience? Ça fatigue. Ça fatigue. Mais c'est cool. C'est cool. C'était cool genre... Il y a plein de pierres. Vas-y, fais un plan, je fais un plan de toi qui marche pour aller te... Rallume, rallume, rallume. Voilà, 3-2-1, top. Oh putain, oh, oh putain. Eh ben non, il reste encore quelques trucs à filmer sur cette belle journée de dimanche. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence. Le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Traille-moi ma liberté. C'est ici que tout commence. Généralement, dans un montage, on met rarement le trajet du retour. Si je le mets, ça signifie qu'il va m'arriver une grosse merde. Bon là les amis, mon embrayage est mort. Enfin, je sais pas, la voiture elle avance plus. Je me suis garé pour la laisser reposer, parce que je me suis dit que la chaleur et tout, vu qu'on a beaucoup roulé. Moi je suis à 6 km de chez moi. Donc en plus, écoutez, j'espère que ça va le faire. Ça me fait chier que si la voiture est morte là, projet d'avenir foutu. Hein. Bon, le problème de la voiture est introuvable, pourtant je suis passé dans deux garages différents. Ce n'est pas le filtre à particules, rien de bouché, pas le machin à un gap, ce n'est pas les injecteurs, ni le turbo, probablement la culasse, pauvre voiture, elle avait à peine 140 000. Le seul truc qu'ils ont trouvé, c'était mes pneus lisses. Au niveau de la post-production, j'ai pris 3 jours à trier les 500 gigas de rush. Ensuite, j'ai pris une journée pour faire le clip, et 2 autres pour répondre aux demandes des groupes. Je n'ai pas pu faire de multicam comme l'année dernière, car au final, une seule des caméras était potable. Le clip est disponible sur ma chaîne YouTube. Dites-moi si vous aimez ce genre de vlog bonus, j'en ferai peut-être d'autres sur d'autres projets. Bref, abonne-toi, lâche un pouce bleu, et on se dit à la prochaine.